Bon, environ. 33 et 22 secondes. Puis là, c'est le meilleur moment de tous les temps, c'est qu'on va recréer la nature, on va créer oui. Le petit arbre d'écu. L'arbre mojo va être renaquis. Oui, qui va faire « Salut, je suis un smiley ». Ce que j'ai jamais tant reporté attention, mais c'est qu'une petite brindille dans la bouche. Oui. Lui, il est genre « What's up ?» Son papa. Ben c'est... Non, c'est lui-même. C'est pas son papa, tant que tel. Il y en a à différentes tailles en fonction des jeux. C'est vrai ça aussi, Yosha. Clairement, il a skip les 7 années de sa vie, sinon la fin du jeu, ça a pas de sens. J'avoue, parce que tu reviens dans le temps. Mais, en tant que tel... C'est ça qu'il y a Link qui peut pas être intéressé par les filles. C'est comme une fille. Non. Ah oui, c'est vrai, il va expliquer sa vie encore. Tu sais, il est mort en expliquant sa vie, puis là, il réexplique sa vie pour remourir probablement un jour, à un moment donné. Il disait qu'il va mourir comme son ancêtre, exactement. C'est sa destinée. Là, je suis curieuse, je voyais le mot Gerudo. Toi, tu dis Gerudo? Ouais, moi, j'ai tout le temps Geru, non? Moi, je dis Gerudo. J'ai dit Gerudo? Tu dis Gerudo, toi? Ça dépend, je dirais. Comment je sais que normalement... Vous êtes, je pense que normalement la prononciation c'est bien Gerudo. En anglais Gerudo. Ça serait clairement Gerudo. En anglais G-E c'est pas G-E. Mais en japonais ça doit pas être Gerudo. Ça. Faudrait demander à Boy Puccino pour ça. Boy Puccino devrait chercher Gerudo. Non, en japonais doit pas s'appeler comme ça. Je pense que oui. Fait que là, il faut que je fasse la musique de l'eau, puis je me souviens jamais c'est comment. C'est la sérénade au water, puis je m'en souviens plus. Comme les goronnes. Il y en a qui les appellent les goronnes, mais je sais pas les goronnes. Ça, c'est bizarre, les goronnes. C'est Gerudo. Juste un Gerudo. Mais sinon, je dis bien des gorons, je dis pas des goronnes. J'ai jamais dit ça. Des gorons. Des gorons. Ça se peut que ce soit moi qui soit vieux sur celle-là. Et je le dis, mais c'est parce qu'en anglais, tu dirais pas Goron. Non. Les Goron? Les Gorons. Goron. Fait qu'on arrive dans mon temple préféré, et je te dis bing bang bonjour comme ça, paf paf paf, on est déjà rendu. Fait que mon objectif, c'est moins de 45 minutes. Est-ce que vous y croyez? Goronade. J'aime ça. Bonne vieille Goron. Ça sonne comme une espèce de bière, la goronade. Ça sonne comme une marinade, mais goronade. Ou comme un Gatorade. Là, c'est un goronade. Je pense que c'est ça le but. Goronade. Pour Gatorade. Fait qu'en gros, le truc, ok, là? Vous voulez savoir comment que ça fonctionne, le temple de l'eau? En bas en bas. En bas en bas. 45 minutes, ok, c'est parti, let's go. Fait qu'en gros, c'est ça le truc. Faut que t'ailles complètement en bas, directement. Tu t'en vas voir la princesse, puis tu lui dis « shut the fuck up ». Parce qu'elle va dire genre j'ai attendu tout le long de ma vie, pis t'es juste comme ok, shut the fuck up. C'est ça que tu t'en vas dire directement là. Check est là, pis genre oh my god! Pis là tu fais comme non, 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 non. Juste laisse-moi tranquille. Pars. Pars. Le Link est genre oh, oh! À 4:28, ça a terminé exactement. Si tout se passe bien, ça devrait être vraiment le cas. Oui, 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 elle fait juste expliquer comme quoi que je suis son fiancé, mais là je suis comme non, 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 laisse-moi tranquille. Ouais, Boy Puccino! How? Wow, 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 explication. Puccino, c'est la plus annoying ever. Explique-nous. Mais quand il est plus vieil, il est un peu moins pire, tu sais, mais c'est juste que quand il est plus jeune, elle a vraiment l'espèce de power trip de genre je suis une princesse et je sais que, genre, vous êtes tous mes serviteurs. Tandis que Zelda, j'ai l'impression qu'elle comprend pas tant son rôle de princesse, c'est juste comme... Je sais pas ce que je fais en tant que telle. Zelda, c'est l'archétype de la jeune fille naïve, tu sais. La princesse, comme, vient me sauver, mais en fait, je sais pas trop que c'est. Oh, ok, j'ai des pouvoirs. Mais, c'est quand même elle qui t'aide à la fin pour battre Ganon. Ah, ça me fait
c'est elle qui... C'est elle qui donne une chose de vie. Non mais, ça peut arrêter s'il vous plaît? Merci. Mad Bob Link, personne ne peut être d'accord. Ne peut pas être d'accord. Il y a comme trop de négation. Personne ne peut être en désaccord. Donc personne ne peut pas être en désaccord. C'est ça, personne ne peut être, fait que c'est, tout le monde est d'accord. En gros, je pourrais juste dire mais tout le monde... c'est comme les maths, une double négation, ça s'annule. Deux négatifs donnent un plus. Oui. En deux secondes, j'ai comme... Imagine, Yachar, on a créé une fusion de Mad Bob et Link. Genre, qu'est-ce que tu veux de plus? Mad... Bonk? Quoi? Je faisais une fusion des deux. Non, mais... Ok, c'est genre. Des ok, oui. Non, il y a Dink aussi. Le fameux Dink. Je peux pas prendre les bâtons dans ce jeu-là? Pourquoi je peux pas prendre un bâton en bois? Expliquez-moi la vie à un moment donné. Bois. Waouh. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est vraiment que tu descends l'eau directement au début. Bitouf, Mad Babou, non mais please. Oh, ça me faisait chier. Ça. Ouais, non. Pas ton grappin. Non. Tire une flèche directement dans sa bouche. Ah, il est en bonne plaie. Hop. Non. Pareil. Non. On va faire une Mad Baboon. Ça, c'est une petite clé. Merci. Et normalement, j'ai déjà fait ce temple-là en ayant une clé de plus. Il y a plusieurs personnes que j'ai déjà expliqué la chose, qui te restait une clé, puis normalement, c'est possible parce qu'il y a un emplacement dans le temple que t'as pas besoin en tant que tel. Mais je suis jamais capable de le recréer. Fait que si jamais je le recrée, ben. J'ai jamais. Fait que ça, il me semble qu'il faut juste que je pète ça, mais il faut pas que j'y aille tout de suite. Je peux peut-être me tromper, mais je vais y aller juste au cas, mais. C'est vraiment comme des emplacements que je suis plus sûr. Fait que je vais faire la tactique de vraiment prendre tout ce qui est en bas. Est-ce que je suis folle ou le menu te ramène tout le temps? Ah non, c'est pas. Au début, genre? Je me disais, garde-toi tout le temps sur le. Non. Pas des bombes, la page des bouts. Des bouts? Je sais plus parler de bouts. Le problème, c'est que okay, j'ai enlevé l'ocarina parce que je n'ai pas besoin. J'ai tout le temps le réflexe de garder l'ocarina genre dans mes items à gauche. Je sais pas vous, vous êtes team ocarina ou, mais moi c'était tout le temps à gauche. C'est tout le temps à gauche. Puis là, ça me sert strictement à rien que je fasse ça. Fait que cet emplacement ne sert à rien. Puis juste pour le fun, on va pogner notre première sculpture. Voilà. Et tout. Pas encore. Je chante pas du bon côté. T'as-tu fait la version 3DS ou non? Moi? Ouais. J'ai dit j'ai jamais joué à... Ah. C'est vrai, t'avais pas de 3DS. C'est sur la 3DS, il y avait vraiment fait un principe que genre les bots c'était directement sur le tactile parce que t'avais deux écrans. Fait que mettons comme avec la Switch, ben, ouais. Mettons ou avec ben, plus la Wii U, mais tu pouvais appuyer sur les bots puis réappuyer, ça allait vraiment plus vite. Tandis que là, tu te fais tout le temps chier à genre changer de un à l'autre. Genre. Donc, est-ce que les speedrunners, ils font un speedrun sur la 3DS ou... Je pense qu'ils s'organisent un peu des deux. Oui, mais il y a quand même des gens de base qui le font, c'est juste qu'ils font tout le temps le Switch. Pas le choix, à un moment donné. C'est... une extension, je pense? Je ne sais plus. Une question hors sujet. Genre, c'est quoi ça? Zerlik Team Pod à Corina. Belle tentative. Au Corina? Là, je pense que... Je peux monter. Là, je pense qu'il y a un truc que je fais pas correct, mais au pire, je vais m'organiser. Je suis plus trop sûr.
C'est quand même 4,25 hein, que j'ai dit, hein, c'est ça? Ok, donc c'est chill ce que je fais. J'espère pas manquer mon coup. Je sais pas ce que toi t'as dit, mais Charles a dit 4,28. 4,28, ok. Je peux pas monter. T'sais, juste pour mettre des bottes, enlever des bottes. J'avoue, c'est chiant. Je comprends pas qu'il y a un développeur, ben comme les développeurs ils ont eu des testeurs là. Je comprends pas qu'il y en a pas un qui a dit genre C'est un peu chiant. C'est un peu poche de tout le temps genre switcher entre les deux. Genre je comprends pas qu'il y ait pas quelqu'un qui s'est dit genre ça. Et je pense que personne n'a fait le temple de l'eau, ils ont juste fait comme oh ouais c'est chill le temple de l'eau, ouais mais on veut pas le faire. Puis tout le monde a abandonné le projet. Ça, ça se peut aussi. Avec une autre petite clé qu'on trouve ici, bien entendu, ça, il faut que je réactive ça pour pouvoir retraverser de l'autre côté. Là, le petit truc à prendre, c'est de faire un plongeon comme ça, et de pas mettre ses bottes tout de suite. Comme ça, t'es déjà dans l'eau. Pour retraverser ici, comme ça. Ta-da! Comme ça, ça va plus vite que genre les mettre avant. De nos jours, il n'y a plus de testeurs. Je pense qu'il y en a un peu, mais plus de temps que ça. Il y en a encore, parce que je connais des gens qui... J'avoue pour des bugs parce que... Ouais. Je pense que c'est sûrement des... C'est pas une compagnie qui a des testeurs. Je pense que c'est comme... C'est des sous-traitants, tu sais. Ben, des sous-traitants. C'est une firme, mettons, qui font du testing de jeux vidéo. Puis qu'en gros, ils font juste dire comme... Hey, on vous engage pour comme tester toutes les bugs à tel emplacement. Puis tout ça. Peut-être faire ça en freelance. Mm-hmm. Mais je pense que c'est plus comme dans une... Ah oui, ça c'est vrai. Il y a tellement des trucs frustrants dans ce temple-là. Parce que là, il faut vraiment que je sois dans l'eau. Pour pouvoir utiliser le grappin, pour pouvoir me tirer ici. Parce que sinon, je suis pas capable de me rendre. T'sais, quelle est l'idée de se dire genre, ah oh, oui, c'est une bonne idée qu'on fasse ça. Là, tu comprends à date le principe. Tu vois, comme là, j'ai fait tout le bas. Ça, ça me sert à rien d'aller de ce côté-là parce que c'est bloqué. J'ai pas le long shot. Ça, c'est fait. J'ai déjà fait tout le niveau du bas. C'est fait. Là, je prends ça. Je peux monter d'un étage. Exactement. Puis... Pédagogique, ma foi. Exact. Puis, la chose qu'il faut pas oublier aussi, c'est que quand je vais monter l'eau, il y a une petite clé qu'il faut que j'aille chercher en bas. C'était comme, mais laquelle? Je suis comme, mais c'est évident. Oh, c'est ok, cette plateforme-là qui monte. Oh, c'est pas si mal! David, fait que là, en gros, quand tu peux prendre ça, tu peux juste sauter dans l'eau ici. Et je tombe pas du bon côté. Ah, je pense que le seul truc qui va me faire chier dans le temple de l'eau, c'est le combat contre Dark Link, qui me fait tout le temps chier. J'ai vraiment aucune stratégie en tant que telle. La seule que j'ai déjà entendue, c'est d'utiliser le marteau, parce qu'en gros, il te copie exactement, mais vu que t'as le marteau, il peut pas te copier parce qu'il l'a pas. C'est la seule stratégie que j'ai déjà comme entendue, ou du moins comme vu que ça peut fonctionner. Je peux peut-être me tromper, mais ça se peut. Moi, Dark Link, c'est juste... Genre des spins aussi, là, que tu spins tout le temps. Tu ça. Juste là que le bon, ici. J'avais postulé pour être Tessa chez Nakama, Ankama. Je connais pas Ankama, c'est quoi exactement? Ah. Connaisseuse de Dofus. Sur un malentendu, ça pouvait passer. J'aime bien le « sur un malentendu ». Qu'est-ce que tu veux dire par le Ben Puccino, genre... Il se trompe dans les CV et il traîne à cause de ça? Genre, t'avais un frère comme jumeau avec le même nom. Pas si inaperçu. Mais des fois, il y en a aussi qui se font connaître comme ça, hein. Tu sais, il y a des fois, mettons, certains jeux qui sont comme assez nouveaux, puis qu'ils demandent en bêta, puis tout ça, puis qu'ils commencent à parler avec eux en disant comment j'ai vu ça, puis des fois, tu peux te faire recruter d'une certaine façon. Tu sais, dans l'entreprise, si jamais tu étais à fond, puis tu cherches les choses à vouloir aider, tu sais. Oui. Ça, c'est la vie qui est vraiment le fun quand tu prends de même. Oui.
Wouh! Pas mal loin. Fait que là, on remonte parce que là, on a fini le sous-sol. Tout est fait. Fait qu'on peut se rendre finalement au deuxième étage. C'est comme ça que ça serait qu'on s'enligne. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on réussit à faire ce temple de malheur. Fait qu'en gros, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Mais il y a un emplacement que je sais qu'il faut que tu l'utilises d'une autre façon. Il faut que l'eau soit montée d'une certaine façon parce que tu peux pas le faire tout de suite. Ça, je me souviens qu'il faut que tu reviennes à un emplacement. C'est le seul truc que tu te souviens. Oh, ok. Et j'ai travaillé dans le même bâtiment par la suite et on entendait des choses pas folles, donc bon, no regrets comme on dit. Ok, fait qu'en gros c'est que t'as travaillé dans la boîte sans nécessairement être dans la partie genre de test si on veut. Puis t'as juste entendu un peu de la merde, fait que t'as dit comme bof, non, pas pour moi. Mm-hmm. Après, tu as les bêta et les alpha qui servent aux gens de tester le jeu et de repérer les bugs. Oui, exactement, il y a ça aussi. Des fois, tu sais, quand... Tu sais, c'est con à dire, mais quand ils font des démos, en même temps, c'est pour que les gens testent gratuitement aussi. C'est gentil pour tout le monde, mais en même temps, oui, puis c'est gratuit. Ça fait plaisir aux fans parce que les gens en parlent. En même temps, tu sais, il n'y a aucun désavantage, à mon sens, d'avoir une démo, tu sais. C'est juste comme une espèce de win-win condition d'un côté seulement. T'sais. Fait que là, tu vois qu'il y a comme un emplacement que j'ai pas fait parce que j'ai pas le long shot. Tu sais, il y a comme l'œil, il fallait que je peigne le long shot que j'ai pas. Fait que c'est là qu'il faut que je monte, c'est là qu'il faut que je revienne. Evil me. Link sombre. Oh, je pensais que je l'avais eu. C'est tellement cool. Moi, je vais juste aller voir à droite parce que je suis pas sûr. Il a fait tiens, t'es capable de te rendre. Et là, je pense que c'est là. Quoi? J'entends comme un petit bruit de grattage, mais. Je sais pas si ça venait d'eux. Hum? Ça, c'est la partie que faut que je revienne après de ce côté-ci. Ça, c'est avec le long shot. Ok, parfait. C'est une des dernières clés que j'ai besoin en tant que tel. Ding, ding, ding. Non, c'est ding, dong, ding, dong. Il vous reste 30 minutes. À date, ça va bien. Hein. Je suis pas stressé à date de... Je suis pas tant stressé à date de la performance, ça va bien. À part si je manque un emplacement puis je me plante. Oui, mais plus que comme... comme à un moment donné que... Je fais tout, puis à un moment donné, je manque un truc en particulier, puis là, je commence à être perdu. Ouais, là, c'est pas la bonne chose qui se passe. Ici, après là-bas. Ah! Merci, Lee. Là, je sais pas si... il y a une autre clé. Oui. C'est-à-dire que j'en ai manqué une. Oui. Mais là, ça veut dire que j'ai manqué Chaos une. Control! César, lui. Ah, je sais, c'est laquelle que j'ai manqué. Ok, je suis con. Okay. Petite perte de temps. En gros, tu sais, dans la première zone... non. Tu sais, dans la première zone, non. Non. En gros, tu vas comprendre. C'est là, quand je monte, il y a un mur à un moment donné avec une bombe, faut que je pète. Fait qu'il fallait que je la prenne au deuxième truc que j'oublie. Tu vas comprendre, je vais te la montrer, genre dans la face. Tu vas faire. Ah! Check ça. Drette. Drette. Là. Je dois péter ce mur-là, il y a un coffre de l'autre côté, c'est une clé.
En gros, faut que je monte à la deuxième. C'est tellement un genre, je m'en fous complètement. Il fallait que Captain arrive exactement. Mais oui, il fallait voir le temple de l'eau, mais moi, c'est le moment que j'attendais depuis le début, hein. J'ai hâte de voir à quel point tu vas être capable de le voir. Puis je fais la musique pas en avant du truc, tu sais. J'étais pas à 2 cm. Comment ça va, Captain? J'espère un peu non. Il a oublié une étape cruciale. Oui. J'ai manqué une petite clé. Bah là, ça va bien quand même dans l'ensemble, tu sais, ça fait quoi? Vf. 15 minutes que je suis dedans, mettons. Peut-être environ. Parce que tu sais, mon dernier timer c'est 3:39, mais tu sais, je suis pas arrivé directement dans le temple à 3:39. Fait que mettons, 15, mettons 16-17 minutes, là, moins de 20 là. J'ai pas remarqué à quel moment t'es rentré. Et sinon, ça va bien de notre côté. Ça va bien. Ça va bien. À part que j'ai manqué la petite clé. Mmh. Je vais aller la chercher. Je reste pour le temple de l'eau, après je retourne à mes pinceaux. Ça rimait, non? Temple de l'eau, pinceau. C'était-tu vraiment prévu? Si jamais tu peux coincer la boule du boss dans un coin... Oui, ça c'est un bon point. Comme ça, elle peut pas réapparaître. Fait que là, c'est ça qu'est-ce que je parlais tantôt. C'est qu'en gros, faut que je retourne... Oups, c'est à la droite. Faut juste que je retourne en bas pour après remonter en haut. To you. Coucou Lulu! Lulu! Dis-toi qu'il y a assez d'eau ici pour faire du push, push. essuie, non, c'est pas ça, c'est quoi non? C'est push, push. Let's go, Lulu! Fais ton ménage! Balai, balai, push, push. Là, il y a beaucoup d'eau ici, t'es capable de tout faire ici. Comment ça va aussi de ton côté, Lulu? Moi ça va bien, je suis pas en train de capoter ma vie. On est rendu à 4h, on vient de dépasser le 4h. Hype pour le 4h. Mais oui ça va bien, on est rendu qu'il me reste 3 donjons environ. Enfin tu sais, 3 mettons. Le pire temple qui hante mes cauchemars de toute ma jeunesse. Attends toi tu le fais en dernier. Hein. Le temple de l'ombre? Oui exactement. Est-ce que les larmes de tous les joueurs qui ont détesté ce temple sont l'eau du temple? Je suis prête à dire que oui. Je pense que oui. Bonne observation. Bah là, ça se passe bien. Il me reste 26 minutes. Je suis confiant. Très confiant. Dit-il. Ça va être de grosses semaines de show. Ma première fois à faire la régie. Et je suis fier de moi, mais un peu fatigué. Je vois que quand tu fais quelque chose de nouveau, faut vraiment que tu restes à l'affût, genre de tout. Genre tout. Tu dois être concentré à comme apprendre, de comprendre comment que ça fonctionne et tout ça. Fait que... Oui. Tu sais, le truc d'eau montait à chaque fois pour que je manque. Je garde le temps de l'esprit pour la fin. Mais moi, c'est pas mon préféré c'est celui de la forêt. C'était juste avant tantôt. Tandis que moi, le temple de l'esprit, je suis comme, mais... Mais... Je l'aime bien, mais comme je disais, c'est ça, c'est le principe qu'il soit séparé en deux. Mais il est beau, le principe. Oui. Très beau, le principe du bouclier miroir, je l'aime bien. Et ouais, il était mais quand même assez bien. Attends, prise 2, est-ce que je vais réussir? Oh! Quelle précision. Direct, genre, oh non, la forêt est nulle. Point. Pas de « ah ouais, pas si pire », c'est non, nul. Pêche pour ma paroi. Les goûts sont dans la nature. Pas exactement ce que je voulais faire, mais... C'est la partie qui est genre super le fun de faire comme « vite, 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 je dois monter les escaliers ». Oui, surtout quand tu tires, mettons, trop bas, puis tu fais juste tirer en dessous. Bon, c'est la partie bientôt plaisante que je m'en vais me battre contre... Sombre Link. Sombre Link. Je pense que Sombre Link, on devrait l'appeler Dark Dink.
Ben oui, parce que c'est Dark, ça serait DD, donc Dark Dink. Le sombre. L'espèce de dessin de Link, genre de l'enfer. De l'enfer. Ben écoute, moi je m'en vais dépenser. S'il y a personne qui le fait, je m'en vais dépenser mes points pour l'art de Je les ai enlevés. Les enlever? Ah ah! J'ai pas une. T'as pas un bypass, non? Un bypass de modo, non? Non, 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 mais je l'ai désactivé juste pour le moment, pour pas qu'il y en ait pendant le stream, pour que... Moling. Oui! Dark... Dark Sasuke Moling. J'aime bien. Sasuke Moling Queen. Là, je pense que je vais tomber directement. Ah! Eux, gosse! C'est pas ce que je voulais faire, mais ça fonctionne, I guess. Il me donne la magie, mais je suis comme... Magie, mais... Mais... Puis là, t'es comme, oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'es genre, oh! Mais c'est le méchant! Puis là, t'espères le tuer, genre, à un moment donné. Mais je vais tester avec le marteau. Je pense que c'est possible avec le marteau. Il me semble que c'est ça, vu qu'il n'y a pas de marteau. J'ai rien fait ça. J'ai dit con. Non! Oh, juste voir si je peux faire ça. Non. Oh, faut juste que tu sois genre chanceux de le toucher pis tu sais même pas pourquoi tu le touches. Non mais... Non mais... Allô? Oh là, sans déconner, c'est zéro. Non mais... Non mais... Ok, on va revenir. Arrêtez de sauter. Parce que je sais qu'avec le feu de dingue, tu peux le battre aussi, genre, mais là, je l'ai pas. Et moi aussi, je voudrais genre sauter sur son épée. Non mais... J'ai au moins un coup. On est rendu à deux coups, hein. Trois coups. Je vais essayer de pas faire avec le lock-on, moi je vais essayer de... Avec le combat, tu vas jouer ton... Nice. C'est oui. Du moins je pense. Oh! J'ai une fée. Oui. Ok, c'est bon. Ouh! À ce moment-là. Non. Ah, d'accord. Genre, tout de suite après, genre. Fun fact, il y a plein de sons dans le jeu qui sont joués à des vitesses différentes pour gagner de la mémoire comme ça. C'est comme dans. Savais-tu, devant Mario 64, que le bruit de Bowser, c'est un bruit de boue ralenti? Oui. Genre, hyper ralenti. Ou je pense que non, c'est le bruit de boue, c'est le bruit de Bowser, mais hyper accéléré. Un des deux. Bon, j'ai vu ça. Alors, je pense que le mot pour Yachar, doulding doulda, il vous reste 20 minutes. Merci. La belle transition du niveau qui fait genre, qui disparaît tout au complet. Waouh!